Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à tier list, en tout cas basée sur les tier list et top. Et c'est une nouvelle tier list qui a justement été tirée au sort. Et cette fois, c'est sur le type normal. Alors, c'est pas un type très populaire, hein. Ça fait même partie des types les plus OZEF du jeu, hein, je pense. En tout cas, en stratégie, ça c'est sûr. Ça risque d'être une tier list où il va y avoir assez peu de Pokémon bien classés, je pense. Et une bonne liste hein, de Pokémon de type normal quand même. Bon, après, il y a des formes à rallonge, là, comme les Coiffarelle, tout ça, tout ça. On va voir comment on va s'y prendre. Et du coup, on est tout de suite parti. Les critères n'ont pas changé. J'ai déjà préclassé ceux qui seraient par défaut dans la tier list de toute façon, et donc on va partir tout de suite avec Roucarnage du coup. Alors Roucarnage qui est un des rares Pokémon de type normal sauvable, hein, pour le type vol je l'avais bien classé parce que c'est vrai que c'est un Pokémon assez cool. Sa méga est plutôt correcte parce qu'un peu trop ressemblante à Roucarnage, mais globalement ça va. Par contre, beaucoup moins d'attirance pour les pré-évolutions. Ratata, que ça par contre c'est directement poubelle, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Encore plus la forme d'Alola qui est encore pire. C'est vraiment les premiers Pokémon on voit. Piaflat et Crapasse de Pique, c'est aussi la poubelle malheureusement. Rondoudou, Gourdoudou aussi. Il n'y a vraiment rien d'attirant chez ces Pokémon. Miaouz Persian. Ah, pareil, c'est pas. On va dire que Persian est un peu mieux. On va dire qu'il est correct dans le design, mais sans plus. Miaouz, c'est poubelle. Canartichaud, c'est poubelle, vraiment. Doduo, Dodrio, c'est poubelle. Vous voyez, ça, malheureusement, c'est expéditif, mais c'est vrai. Excellent, bah, c'est poubelle aussi. Le Vénard, alors lui, il est vraiment dans poubelle. Non seulement il est moche, mais en plus, il est chiant à affronter. Alors ça, même pas de scrupules. Kangourex, alors Kangourex, ça va, en vrai. Hein. Kangourex, il est sauvable, il est vraiment correct comparé aux autres. Méga Kangourex, bah le problème c'est que oui il est fort mais il change pas du Kangourex de base en fait, pas tellement. Alors il y a le petit qui sort quand même du ventre, il y a l'idée quand même avec le talent tout ça. On va le mettre dans correct, allez on va pas être trop méchant. Tauros c'est assez bof honnêtement, Métamorph c'est assez bof. Evoli, bah il est mignon donc on va le mettre dans correct. Porygon. Cette poubelle, j'aime pas vraiment le concept du Pokémon. Ronflex. Objectivement, c'est assez OZEF, hein, Ronflex, hein, honnêtement. Fouinette, Fouinard, c'est poubelle direct, évidemment. Hout, Noirfang, c'est poubelle. Tout Doudou, il est un peu mignon, mais il reste OZEF. Bah, en vrai, comme j'ai mis Gros Doudou ici, voilà. Cap Humain, c'est poubelle aussi. Girafarig, c'est largement poubelle, alors lui il ne devrait même pas exister, hein, très honnêtement. Un solo dos, c'est poubelle, ouais. C'est terrible, hein, c'est triste. Ah, Oursaring, par contre, il est très cool ce Pokémon. Il aurait mérité un autre type, clairement, mais Oursaring, c'est un des rares qui est sauvable, donc lui il va être dans très, très stylé. Teddy Ursa, dans correct seulement, mais ça reste un Pokémon mignon, ça passe. Porygon 2, j'ai aucune affinité avec ce Pokémon, c'est poubelle. C'est vraiment beaucoup plus le design qui prédomine, hein, parce que bon, on peut pas se centrer que sur la stratégie. Puis bon, après, ça reste des Pokémon que je joue pas vraiment, hein, que je teste de temps en temps. Sarfous, c'est poubelle. Kelurior aussi. Écrémé aussi. L'Euphorie aussi. À côté de son camarade. Zigzaton aussi. Zigzaton Galar aussi. Linéon, ça va. C'est un design correct en vrai, Linéon. Un peu moins fan par contre, hein, de la forme de Galar. Nirondelle, Elédelle, ça passe aussi. Un petit peu. C'est pas beaucoup, mais un petit peu. Pas trop, Nirondelle, c'est assez OZEF. Pareil, cool, c'est poubelle. Vigorotte, ça va. Mais par contre, on a fini, c'est poubelle. Alors, on a Chuchmur, Ramboumbrouabam, ça c'est poubelle. Ensuite Azuril, c'est OZEF. Skitty, c'est poubelle. Ça, c'est Delcati aussi. Ça bouge tout seul. Spada, c'est poubelle.
Tiltons ses poubelles. Mangriff, il est cool. Mangriff, c'est correct. Morpho, ses poubelles. Kecléon, ses poubelles. Et Tourmi et Tourvol. Alors, on va dire que c'est correct pour les prévôts. Par contre, les Touraptors, j'aime bien. C'est même un de mes... Oh, il est même dans mes préférés. Hein. En vrai, il est sympa, hein, les Touraptors. Je le joue quasiment tout le temps dans les jeux... les jeux consoles et fangames surtout aussi. Kenotor, non, c'est poubelle. Castorne aussi. Capidax, c'est poubelle. Laporeille, c'est Osef, même si c'est un lapin. Lockpin non plus. Megalockpin un petit peu plus. Il y a un peu de design qui change. Chagam, Chafreux, c'est poubelle. Petit Ravi, c'est poubelle. Pijaco, oui, c'est largement poubelle. Goinfrex, évidemment. Donc on va le mettre dans Osef, puisqu'on va le mettre en ça. Coulang, c'est poubelle, évidemment. Ah, vous voyez, c'est pas une surprise, hein, tout ça pour l'instant. Il y a vraiment rien qui sort du lot. Porygon Z, il a un peu plus que Porygon 2, en vrai. Oh, on va le mettre dans Correct, Porygon Z, par contre. Régigigas, c'est poubelle. Et enfin, le véritable Arceus, bah évidemment, c'est un Pokémon préféré, hein, je pense que c'est assez évident. Ce Pokémon, c'est tous les Pokémon à la fois, on va dire. Attentif et Miradar, non, ça c'est poubelle. Ponchion, il est mignon en vrai. Ouais, les mentions spéciales pour lui. Par contre, Ponchion et Massouf, c'est poubelle. Poichijon, ça c'est poubelle pour l'intégralité. Non mais oui, c'est poubelle. Mega non mais oui, c'est poubelle. Ah, Zorua et Zoroark d'ici. Je sais pas pourquoi ils les ont mis à ce moment-là. Oui, parce que Zoroark c'est la 5G. Alors là, pour le coup, c'est parmi les... Je pense que c'est objectivement les meilleures formes régionales qui ont été créées dans le jeu. Vraiment. Zoroark d'ici, c'est un des Pokémon les plus stylés de la vie. Pour une fois. Chinchidou est correct. Il est un peu mignon, ouais. Pachminou aussi. Vivaldin aussi. Ça va, ils s'en sortent. Aïdin. J'aime beaucoup. Alors, en vrai, hein, j'adore Aïdin. Voilà, je vais le remettre là. Ensuite, on a quoi? Frison. Ah, c'est assez Osef, hein, non? Frison. Bah, à côté de Tauros, hein, c'est pareil. Hein, techniquement. Furéglon, guerrier, c'est Osef. Meloetaz, c'est correct. Il y a des gens qui vont pas être contents, mais bon, c'est matérialiste, hein, on rappelle. Excusez-moi. La pirouette est moins belle. Porte. Sapro, Excavarin, c'est poubelle. Passe rouge. Ah oui, c'est le seul petit point, c'est vrai. Oh, elle met dans correct. Elianso, moi, Elianso, ça va, c'est un peu, je trouve assez choupi. Par contre, Nemelio, je suis pas très fan. Non, on va mettre plutôt Osef. Alors, toute la clique de Coiffarel, c'est poubelle, évidemment. Putain, c'est tellement ridicule ce Pokémon. Très cliché, surtout aussi. Alors ensuite, Igualta et Galvaran. Alors c'est vraiment Osef. Hein. Vraiment Osef. La famille Bazookon, c'est poubelle. La famille Machin aussi, Argouste et Mangouton. Nounourson Chelours. On va mettre Nounourson plutôt en correct. Donc Chelours, c'est Osef. Autant c'est poubelle, TV0 Sylvalis c'est poubelle, donc ça c'est poubelle. C'est... Mais il s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle ce poubelle. Ah, c'est Dodo alors. Dryol c'est poubelle évidemment. Les rongeurs de la 8G c'est poubelle. Le mouton. En vrai il est un peu mignon. Allez. Le mouton, quand on le voit au tout début du jeu, on peut moufler. Ah, Ixon ça va. Ixon.
Ixion, je l'aime beaucoup. Lui, par contre, et en plus, je l'aime bien le jouer. C'est un des rares, donc on va le mettre tout en haut. Indidi, non. Lumessir, ouais, du coup, en français. Serbilin, c'est poubelle. Ursaluna, il est très fort, hein, évidemment. Alors, ouais, je le. Ah, ça gâche un peu Ursaring hein, dans le design quand même. Donc, on va le mettre dans. On va le mettre dans correct. On va le mettre dans correct. Les cochons, alors ça, c'est poubelle directement, évidemment. Les petites souris, c'est mignon. Ça fait un peu penser à Cendrillon, l'idée. C'est compagnol et familial. Alors ici, alors ça c'est Olivado. Non, c'est Olivini, Olivado et Arboliva. Alors Arboliva et Olivini c'est poubelle, mais Olivado a un tout petit quelque chose. Un tout petit swag. Les piafs, ça c'est poubelle directement. Pareil pour ça. Motorizard. C'est correct, ouais. Un peu correct dans le design. Ouais. Pas tant que ça, mais quand même. Phare et girafe, c'est poubelle. Ça de Solando, bon, ça c'est la blague, évidemment. Alors, ça c'est quoi? C'est la forme lune rouge. Donc, Saluna. Ah, je sais pas. Hein. C'est vrai que le concept est original. On va être correct, allez. Et ça, Terrapagos, alors là, je vais être assez méchant, mais en vrai, je m'intéresse. Qui s'intéresse vraiment à ce Pokémon? Clairement, il est juste là sur la jaquette. Mais le problème, en plus de ça, c'est que dans le scénario, on sait pas grand-chose de lui. Hein. Il est vraiment assez inexistant, ce Pokémon. Hein. Ah, j'ai rien. Il y a absolument rien qui se dégage de ce Pokémon, pour moi. Désolé. Ils ont voulu créer un concept, mais je m'y suis pas du tout attaché. Donc voilà, c'est comme ça. Du coup, bah, j'ai pas eu à beaucoup chercher parce qu'en même temps, je m'attendais du résultat des trucs. Donc, il n'y a pas beaucoup. Hein. Le type normal est vraiment, vraiment au fond du fond, à part certains qui s'en sortent un petit peu selon mes goûts et selon moi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On aura peut-être l'occasion de faire, de toute façon, on fera tous les types forcément. Mais un bon type la prochaine fois, j'en suis sûr. Hein. Il n'y a pas de raison, ça dépendra. De ce qui va être tiré au sort. Merci beaucoup de m'avoir suivi en tout cas pour cette tier list et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.